Dans ce premier dossier culturel de l'année 2014, nous faisons un gros plan sur un instrument de musique traditionnelle autrefois utilisé pour appeler au rassemblement. Il s'agit du tamam, qui est l'instrument de prédilection d'un percussionniste malien. Ce dernier joue seul et à la fois 5 tamams. Pour les détails, suivons ce dossier réalisé par Cheikh Oumar Sangaré. Si un chef de village même a envie de donner le message aux gens, c'est un joueur de tamam, on l'appelle, pour lui communiquer les messages. C'était comme ça. Le tamam est un instrument qui ne date pas d'aujourd'hui. Appelé également le tambour parlant, il est un instrument de percussion de la famille des membranophones originaires d'Afrique de l'Ouest. Du point de vue historique, le tamam était joué par les griots des rois lors des circonstances particulières. Par exemple, quand les souverains voulaient parler à leur sujet ou quand on lançait un appel aux armes. Le tamam, dont la mélodie ne laisse personne indifférent, est l'instrument de prédilection d'un percussionniste malien. Un jeune percussionniste qui le joue à sa manière. J'ai trouvé qu'on joue tamam. Il y a un tamam il y a très longtemps, mais toutes choses, il faut une création. Je me suis basé sur la batterie acoustique que vous voyez là. J'ai dit pourquoi pas qu'on ne crée pas une batterie traditionnelle aussi. Donc l'idée est venue comme ça. Donc moi je l'appelle 5 tamans de Cheikh Nessissoro. Bon, de nous là, ça c'est une surprise. Le son produit par un tamam peut être régulé très finement, à tel point que l'on dit qu'il parle. Le joueur de tamam place l'instrument sous son épaule et le frappe avec une baguette courbée faite avec une branche de tamaret. La variation de la pression sur les cordes qui tendent la peau détermine les gammes des sons produits. Cheikh Nessissoro joue seul et à la fois 5 tamans et parfois plus. Ça c'est la basse. La basse. Oui. Ça c'est son aigu. Ça c'est deuxième son aigu. Bon, ça c'est Dundu. Joue le rôle de basse aussi. Ça c'est tamam basse solo. L'artiste évolue au sein de son propre groupe appelé Somané, un mot qui signifie premier enfant de père et de mère en Sarakolé. Les instruments et la tendance sont traditionnels. Tous mes morceaux sont basés sur la tradition. Un peu moderne, mais on n'oublie pas la tradition. Avec ses 5 tamans, Cheikh Nessissoro sortira son premier album le vendredi prochain à l'Institut français de Bamako. Dans cette nouvelle production intitulée Somané, l'artiste appelle à son tour à la paix. La guerre, ça sert à rien. Pas le Mali seulement, dans le monde entier. Et rien que la paix. S'il y a la guerre, nous, on ne peut pas faire la musique. Le tamam, l'un des plus anciens instruments utilisés par les griots, est principalement utilisé au Mali, au Nigeria et au Sénégal dans la musique mbalaka. Qu'il soit tamani ou tamamba, sa résonance produit toujours un rythme palpitant.